depuis une année déjà. Pierre et son humour est sur YouTube, c'est dingue. Une année déjà que je me suis créé un personnage avec lequel je parle sur beaucoup de sujets, à savoir être amoureux et la rage dentaire, c'est dire s'ils sont différents. Quoi qu'il en soit, j'ai développé mon style et ma fluidité, mais pas que. J'ai développé ce qui me semble le plus important pour caler une blague après l'autre de la façon la plus propre possible, l'écriture. J'écris beaucoup plus qu'avant parce que j'y ai pris goût. Avant ça me saoulait un peu, tu vois, alors que maintenant c'est la partie que je préfère. Et à force d'écrire, je me suis demandé est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen d'utiliser ma créativité qu'à travers des sketchs. Et après une longue réflexion, j'en ai conclu que faire un livre était parfait. En plus, vous savez qu'un ado, c'est jamais vraiment pris au sérieux par un adulte. Et vous savez aussi que c'est spécifiquement ce truc-là qui m'énerve. Je me suis donc dit qu'écrire un livre à 14 ans pourrait faire comprendre à certains adultes que pendant qu'ils passent leur temps à dire que les jeunes d'aujourd'hui sont des bons à rien qui savent rien faire de leur vie à part écouter du rap et faire le rebelle, pourraient se rendre compte que parmi cette bande de bons à rien, il y en a un qui a écrit un livre. Et il est pas prêt de s'arrêter. Bref! On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Mon livre s'appelle Andrade, il est composé de 5 chapitres et c'est une immense lettre d'amour à Death Note. Ce manga m'a grandement inspiré et vous allez voir pourquoi. Spé, un jeune adolescent de 14 ans, vivait sa vie normalement jusqu'à ce qu'un dieu de Nabor vienne le confronter à ses origines. Ensemble, ils tenteront d'éliminer tous les criminels de ce monde, des plus grands aux plus petits, afin d'offrir aux gens ce qu'ils veulent depuis bien trop longtemps, la paix éternelle. Vous verrez que contrairement à tous mes sketchs, ce livre est beaucoup plus poétique, dramatique, fictif, c'est aussi ça l'avantage. C'est que je peux écrire tout ce que je veux sans avoir ce problème de il me faut des acteurs ou des lieux de tournage. 5 chapitres, c'est pour moi tout ce dont j'avais besoin pour écrire mon histoire. À la base, il devait y en avoir 8, mais arrivé au chapitre 5, je voyais que ça commençait à devenir répétitif et je me suis dit on va clore l'histoire dès maintenant plutôt que ça commence à saouler les gens parce que moi j'ai envie de passionner les gens jusqu'au bout du livre et pas qu'au milieu ils se disent wow, de toute façon ça va être la même chose. Et sache une petite info comme ça, ce 2020 on est fougueux. Parmi les 5 chapitres, il y en a un où rien ne se passe. Dans le sens où le personnage fait rien, il prend une pause, il fait une sorte d'introspection sur lui-même. Sauf que dans ce chapitre, il va y avoir un élément déclencheur sur la suite de l'histoire qui va tout simplement tout déjouer. En gros, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais en fait si. Ce livre n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, il n'y a aucune référence à des vidéos que j'ai faites auparavant. Par contre, vous y trouverez des références à ce que j'aime. Par exemple, Kaamelott, bref, Claude Gueux, Victor Hugo. Petite dédiée à ma prof de français. Ouais, l'autobiographie, on est là. J'espère que ça vous plaît. Ça fait déjà une semaine que j'en ai parlé sur Instagram et vos retours sont juste géniaux. Je crois que le commentaire le plus gentil que j'ai eu, c'était un mec qui lisait jamais et j'ai réussi à le faire lire le livre jusqu'au bout. J'espère que vous aussi kifferez le livre si vous n'étiez pas au courant que j'en avais sorti un. De toute façon, c'est dans la description de cette vidéo, dans les liens cliquables de ma chaîne, dans ma bio Instagram, c'est disponible partout. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime pas et si on se retrouve très bientôt sur le YouTube Game. Ciao !